Il y a un autre truc qui m'a énervé récemment, c'était, vous avez vu le député là qui a dit qu'il retourne en Afrique. Ouais. Ah, on a suivi. Ouais. Ceux qui n'ont pas suivi, Il y a un député noir, je suis obligé de rappeler sa couleur, qui est en train de poser une question, tranquille. Oui, alors est-ce qu'il faut... Les immigrés, c'est pas bon, il faudrait aller les sauver sur les bateaux, je pense que... Et là, il y a un mec qui a dit qu'il retourne en Afrique. Tout le monde était choqué. Un député RN, c'est dans le titre en vrai. Hein. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que lui, il retourne en Afrique parce qu'il est noir. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que tous les gens qui sont sur le bateau retournent en Afrique parce qu'ils sont noirs. Alors, il a pris la plus haute sanction. Vous savez ce que c'est ? 15 jours. L'exclusion. Ah bah, carnet de correspondance, hein. Bah, vous êtes puni 15 jours. Et on vous coupe votre salaire en deux. On vous donne 50% au moins d'indemnité. Vous savez combien ils sont payés ? 7 500 € brut. Ça veut dire que le mec, il va toucher 3 500 €, 2 SMIC, un congé de 15 jours, vacances tranquilles, et il croit que pendant les 15 jours, il va jamais prendre son 4x4 pour aller rouler sur des réfugiés. Vraiment, il croit.